Bon, l'argent commençait à rentrer. Ça, c'était déjà une bonne chose. Avec Howard et Malville dans mon portefeuille de contrat, je ne me faisais pas trop de soucis quant à mon installation dans cet état. Et force est de constater que j'étais déjà en bien meilleure posture qu'à Atlanta. Néanmoins, les dossiers sur lesquels j'opérais étaient particulièrement tendus. Et il me fallait marcher sur des œufs en permanence, de peur de froisser un personnel influent à Los Angeles. Mais bon, marcher sur des œufs ou non, si je voulais réussir à obtenir gain de cause et asseoir ma réputation, il était temps de se jeter à l'eau et de se faire connaître des personnes impliquées. Maintenant que le département de justice était officiellement informé du fait que je représentais Rio Howard, il me fallait le faire savoir au Los Angeles Police Department. Maître ? Oui, ça, monsieur. J'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer, vous ? Affirmatif, c'est juste que j'ai changé de coupe de cheveux, faut que je m'attache les cheveux d'ailleurs, ça m'a pris, ça pousse trop vite. Mais oui, officier Easter, c'est déjà. Eh ben, rebonjour du coup. Ouais, je me demandais, à tout hasard, est-ce que vous avez des membres du commandement qui sont présents en service ? C'est possible, et ce serait pour vous entretenir ? Alors, j'aimerais bien m'entretenir avec eux, ou alors à défaut, est-ce que vous avez vu le procureur derrière moi ? Parce que j'essaie de joindre le procureur, mais j'arrive pas à le joindre. Merde, je crois que je l'ai vu aujourd'hui, je crois pas. Ouais. Alors dans ce cas-là, si je peux m'entretenir avec votre commandement, ça m'arrangerait beaucoup. Je vous remercie. Easter, un membre du CDC. Ouais. Monsieur Maître Mann chercherait à s'entretenir avec un des membres du corps de commandement. J'avoue. Ok, le commandant. Ah, je vous remercie. Bonjour commandant, mes respects. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous quelques minutes ? Ça sera pas long. Pas de problème. Non. On sort dans mon bureau, maître. Je vous remercie. Maître, redites-moi juste une info. Votre nom, c'est... Oui. Man, M-A-2-N. Man. Mettez en garde aussi au téléphone il y a deux jours ou peut-être hier, je ne sais plus. C'est pour la présentation, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ça vous dérange s'il y a d'autres membres du podium ? La présentation, autant pour moi. Je me suis déjà présenté auprès du commandant hier. Ah, dans ce cas-ci, c'est pour... Là, c'est pour parler d'une affaire en particulier. Je voudrais m'entretenir avec le commandant. Bon courage, on est parti. Je vous remercie. J'ai pu comprendre que ça chez une affaire. Effectivement, de alors. Moi, mais sinon, je demanderais peut-être à quelqu'un d'ADU de. Alors, ils sont peut-être plus vous répondre. Hein, c'est... Je vous avoue que je suis pas encore au fait exactement du fonctionnement local. Donc, je vous explique la situation. Monsieur, vous voyez qui est Monsieur Howard, je suppose. Rio Howard. Tout à fait. Voilà. Il a souhaité requérir mes services pour donc de représentation légale dans le cadre de sa plainte contre X pour intrusion et détérioration de biens publics. Est-ce que ça fait... Oui, ça vous dit quelque chose. Donc j'essaie de joindre le procureur parce que j'ai cru comprendre que c'était lui qui était qui encadrait l'affaire. Est-ce que... C'est ça. Et tous nos rapports ont été transmis dans la soirée. Alors tout d'abord, en fait, moi j'ai transmis ça au procureur, c'est maintenant lui qui va décider si suite à donner il y a. Je pense que lui se mettra à plus de connaissances que moi à savoir vous faire quand est le moment opportun pour vous donner accès à ces informations. Très bien, mais c'est juste que comme j'avais du mal à joindre monsieur le procureur, je voulais. Enfin, je me suis dit que je pouvais vous demander à vous si vous saviez comment ça allait se passer au niveau local. Eh ben là, c'est le procureur qui va décider. C'est très bien. Ensuite, je pense que monsieur Howard en sera avisé. Et effectivement, vous êtes son avocat. Et donc de là, vous allez certainement pouvoir demander aussi l'accès du coup au dossier pour préparer en effet. Votre requête, en fait. En effet. Là, on touche à un point de divergence majeur avec la réalité. Majeur dans le sens où ça déséquilibre totalement le système judiciaire. Dans le monde réel, tout parti d'une affaire a obligation de transmettre l'intégralité des pièces à sa disposition à l'ensemble des parties. Bien sûr, des dispositions de purge peuvent être appliquées pour protéger, par exemple, l'identité d'informateur ou d'officier agissant sous couverture, mais il est obligatoire de fournir l'intégralité des informations à disposition, qu'elles soient à charge ou à décharge du parti concerné. Ne pas révéler au parti adverse un élément qui lui est favorable entre en violation avec la doctrine Brady, nommé par la jurisprudence Brady versus Maryland de 1963, procès au cours duquel la Cour suprême des États-Unis a statué que la non-divulgation par l'accusation d'un élément disculpant l'accusé constituait une violation du 6e amendement à la Constitution des États-Unis qui garantit le droit de tout citoyen à un procès équitable.
Par conséquent, que le procureur décide ou non qu'il y a suite à porter au dossier, l'intégralité du dit dossier doit être portée à la connaissance de Rio Ward et de Maître Mann qui agit comme son représentant légal. Et ce, dans le but également d'éviter qu'une corruption d'un officiel entraîne l'enterrement d'une affaire qui pourrait être instruite. Bon bah, c'était principalement pour ça que je souhaitais m'entretenir avec vous. Bien sûr... Autre chose ? Bien sûr, tant que je suis là, hein, je vous rappelle que si jamais des civils émettent des plaintes allant contre du LSPD, je suis parfaitement apte à défendre le LSPD également devant ou quelques agents du LSPD devant le tribunal. Donc n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je ne sais pas de quel département vous faites mention, parce que si nous sommes au LSPD, mais j'en prends note également. Bon, après, vous savez, je pense... pas qu'un civil viendrait... Non, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. À cœur de faire le métier très droit, mais... Ça m'étonnerait, mais on sait jamais, vous savez, il y a toujours des gens qui essayent de chercher la petite bête, ou qui... Voilà. Donc, dans tous les cas, vous avez mon numéro. Bah, je vais vous dire que, justement, vous recherchez des informations concernant le département, donc... Peut-être puis-je vous en donner un peu plus. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre question. Je disais, j'ai eu vent que vous cherchiez auprès de certains agents des informations sur le département concernant une procédure, si je ne m'abuse. Si je peux vous apporter des réponses, n'hésitez pas également. Alors non, je posais des questions. En fait, j'essaye de savoir un petit peu dans quoi je mets les pieds en défendant M. Howard. Donc j'ai essayé de tâter le terrain un peu à gauche à droite. Vous savez comment c'est le métier. Moi, je débarque dans la ville, je ne connais pas les personnes en présence. Donc j'ai voulu savoir un petit peu si j'arrivais dans un terrain miné ou pas. Aïe. On dirait qu'il est très susceptible sur ce sujet, et que mes petites questions au lieutenant Do et au capitaine Malville lui sont revenues aux oreilles. Mauvais tout ça. Et j'ai pas vraiment envie de me mettre à dos le commandant du LAPD dès ma première semaine. C'est principalement pour le ça que je... Le terrain est miné, après là en plus vous allez pas le défendre, vous allez le représenter, monsieur Ward étant le requérant. Bien sûr. Mais étant donné que je le représente, il va y avoir des... Je vais me retrouver de fait mêlé à des enjeux qui... dont je voudrais pas être aveugle, sur lesquels je voudrais pas être aveugle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste... J'entends bien. Ce n'est pas... Non mais écoutez, si vous avez des questions, je suis tout disposé à y répondre pour vous éclairer au mieux. Bon, et bien maintenant que le Rubicon est franchi, autant y aller franc jeu. Le fait est que je ne sais pas ce que vous pouvez me dire, étant donné qu'il s'agit d'une affaire en cours. Il y a quelques questions que je me posais concernant une affaire déjà résolue. Il s'agit de l'affaire Milton Godwin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Cher motif, M. Milton a été gelé par M. Howard à la peine... En effet. La réclusion criminelle à perpétuité. En effet. Il a été sous l'effet d'un mandat précédemment à son arrestation, si je ne m'abuse. Mandat qui a été exécuté. Bon, je vais pas mettre immédiatement sa parole en doute, mais justement le nœud du contentieux semble résider dans le fait que le mandat n'a pas été exécuté. Et selon mes informations, a raison. Alors pourquoi être dans le déni ? Mandat qui a été exécuté, j'ai cru comprendre que il y avait eu quelques frictions entre Monsieur Howard et le CDC du LAPD suite à ce mandat et à son arrestation, toutes les circonstances de son arrestation. Est-ce que... Il y a une incompréhension entre effectivement le corps de commandement, enfin surtout corps de commandement représenté par moi-même en qualité de commandant, M. Howard. Je n'irai pas jusqu'à dire une friction. Hein. C'est M. Howard. C'est peut-être moi qui déforme les. Dans le ciel. Non, mais c'est pour ça, je ne t'inquiète pas, je regarde. Oui, M. Howard a jugé que nous avions fait une erreur de procédure. Maintenant, les articles dans le CNN présentent des excuses publiques du département de la justice en disant que M. Howard avait fait erreur de jugement. J'avais été convoqué par M. Howard, j'avais été auditionné dans ces cadres-là. Non, bon, il me semble que cette affaire est entérinée et qu'entre guillemets je suis passé auprès au juge N'Golo et que c'est entériné maintenant. Pour quelqu'un qui est clean et qui a été blanchi, je le trouve quand même vachement sur la défensive sur le sujet. C'est pourtant naturel que j'étudie les contentieux impliquant mon client dans le cadre d'une affaire où son bureau a été vandalisé dans ce qui apparaît comme un règlement de compte.
Bien sûr, de toute façon, je ne suis pas en qualité d'accusateur, et Monsieur Howard n'a pas présenté d'accusation à votre encontre. Il m'a juste raconté des faits, et j'essaie juste de savoir ce qui s'est passé, pourquoi il m'a-t-il parlé de cette affaire et des possibles frictions qu'il y a eu entre vous. J'essaie de creuser un petit peu pour savoir ce qui a pu se passer. Je pense qu'il sera le plus à même à vous. Bien sûr, mais il m'a donné sa version des faits. Cependant, pour le défendre, j'estimais que c'était pas mal de connaître un petit peu les différents points de vue de personnes impliquées ou non dans l'histoire. Vous savez ce qu'on dit, hein. Embrasse le point de vue de ton ennemi et tu remporteras 1000 victoires. Non pas que je sois en train de vous citer comme mon ennemi, c'est une citation, mais je veux pas rester parqué sur ce que me dit mon client et j'essaye de savoir un petit peu ce qu'en pensent les autres. Bah écoutez, puisque de toute façon s'il y aurait eu requête de sa part ou plainte ou accusation de sa part, j'aurais été le premier visé. Voilà, non, il n'y a pas eu de... Simplement que j'ai fait, nous avons fait notre travail, et il a eu... Il m'a convoqué dans le cadre de la corruption, d'une corruption qu'il estimait, et j'ai répondu de mes actes. Maintenant, au juge de la Cour suprême, qui est le supérieur de M. Howard, s'est entiché de l'affaire, étant donné que M. Howard avait un conflit d'intérêts là-dedans, et lui a jugé en tout cas... que j'étais innocent, sinon très simplement je pense que une enquête aurait été menée, une mesure bien sûr, de destitution en cas de l'enquête était émise. Il est tellement tendu sur le sujet qu'il ne comprend pas du tout la raison de mes questions et qu'il le prend comme une attaque personnelle. Qu'il soit innocent ou non, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est juste que mon client l'ait considéré comme suspect et le ressenti du commandant sur cette mise en accusation. Et à me présenter tous les gages de confiance adressés par M. N'Golo en bottant totalement en touche quant à ses interactions avec Howard, il donne hélas en partie raison à la théorie fumeuse d'Howard quant à la connivence entre le juge suprême et le commandant, alors même que mes interrogatoires avec ces hommes m'avaient dressé un tout autre portrait de lui, et que je l'avais quasiment supprimé de mon collimateur. Qu'est-ce qui se cache là-dessous exactement ? Et comme vous dites, j'ai parlé à certains de vos agents qui m'ont certifié que corruption était impossible, enfin, que vous étiez au-dessus de tout soupçon. Donc, je n'aimais aucune. Je ne porte pas crédit à ces histoires de corruption, ne vous inquiétez pas. En revanche, moi, c'est cette histoire de confiance. Je vous dirais simplement une chose là-dessus, c'est que mes agents peuvent dire ce qu'ils veulent, ils parlent librement. En mon fond propre, je sais qu'effectivement je suis très révulsé de tout ce qui est histoire de corruption et tout ce qui est histoire d'abus de pouvoir ou d'essayer de voiler les yeux de la justice pour la mettre de son côté. Ça, c'est un fait. Maintenant, oui, la justice, la probité, les petits oiseaux. Je vous dirais, je ne me conseillerais pas en fait, je vous dirais mon avis là-dessus, c'est que il sera toujours mieux pour vous de faire votre propre point de vue. D'accord. Bien sûr, mais il n'empêche que je... Certainement de... Il n'empêche que d'écouter ce que les gens ont à dire, notamment des gens qui vous côtoient régulièrement, puisque ce sont des officiers de police, je pense que c'était un... Enfin, je préférais avoir leur témoignage informel sur la situation. Bon, tentons de le désamorcer un peu en le brossant le sens du poil, parce que je vais finir par me bouffer une salade de phalange pour ce petit interrogatoire informel. La chose qui m'a mis à l'oreille, que vous avez... c'est un terme que vous avez utilisé, et M. Howard l'a utilisé également, mais je n'ai jamais... Il n'est jamais rentré dans les détails. Vous avez parlé de conflit d'intérêts dans la conduite de M. Howard dans l'affaire Milton Godwin. Alors, il faut savoir que tout début de cette affaire, quand il y avait conflit d'intérêts, c'était au premier jugement que M. Howard voulait faire de façon expéditive, et il s'est avéré qu'il avait des liens avec la personne qu'il jugeait. Donc effectivement, en ma qualité de substitut du procureur par délégation, avant l'arrivée des procureurs, on m'avait délégué ce pouvoir. Effectivement, j'ai demandé au juge Howard, on lui avait demandé par ailleurs, moi et le gouverneur, j'en suis accusé parce qu'on estimait que bon, c'était très moyen, et... dans un goût de justice impartielle, hein. Je ne vais pas vous dire le cinquième amendement. Le procès équitable, c'est le sixième, mais ok. Vous pouvez comprendre qu'il voulait s'engager sur l'affaire dans toute sa compétence. M. Howard est un juge très compétent et qui connaît son métier. Il avait refusé, effectivement, quand le suspect a mis ça sur la table en pleine audience,
je pouvais pas, et je l'ai expliqué, hein, toute une litanie, que effectivement mon sens de l'honneur et le pouvoir qui m'était conféré ne me permettaient pas de continuer de fermer les yeux sur cette partialité possible, simplement. Et donc j'ai soulevé effectivement le conflit d'intérêts, j'ai demandé à ce que l'affaire soit prise en charge par quelqu'un d'autre, et Monsieur Howard, effectivement, a dû être en phase avec moi, puisque quand il s'est retiré pour réfléchir, quand il est revenu, il s'est récusé publiquement. Très bien, ok. Donc c'est le conflit d'intérêts a lieu sur la base de la promiscuité entre Monsieur Godwin et Monsieur Howard. C'est... Tout à fait. D'accord. Après, je ne suis pas juge. Non, non, bien sûr. Je suis procureur, j'ai mon âme et conscience. Mais c'est votre âme et conscience. Effectivement, il y avait conflit d'intérêts. Très bien. C'est mon avis. Bien sûr, bien sûr. Et je le rejoins parfaitement. Très bien. Est-ce que, selon vous, là c'est une question totalement informelle, bien sûr. Je suis pas en train de récupérer des informations ou quoi que ce soit, mais ce que j'aimerais savoir, c'est l'accusation de Milton Godwin, donc le mandat d'arrêt à l'encontre de Milton Godwin, sur quelle base avait-il été dressé? Pour quelles accusations? Il avait été dressé parce que voilà, c'est crime contre l'État. Celui-ci doit être placé en détention provisoire jusqu'à son jugement concernant l'affaire de crime contre l'État. D'accord, très bien. Parce que monsieur... En fait, pour tout vous dire sur ce fond-là, et ça je l'ai expliqué, monsieur Ward s'était montré très pressant envers mes effectifs et très directif. Oui. Avant qu'on lui rappelle que ça passait par le bureau du procureur et un juge ne pouvait pas. Pouvait mettre un mandat, certes, mais ne pouvait pas non plus venir et dicter. Allons-y. En me présentant totalement de son côté, je tends une main. S'il la prend, j'obtiendrai peut-être quelque chose. En fait, là, justement, ce que j'essaie de voir, c'est s'il n'y a pas eu de violation de juridiction, en fait. Dans le cadre de cette affaire. Du fait que... Détaillé. Du fait que M. Howard est, justement, quelque peu outrepassé ses droits et prérogatives, et était, comme vous le dites, très, très directif. Envers les agents du LAPD. Écoutez, je vais être très clair avec vous. Je vais être très franc. Je l'ai été au juge. J'ai été convoqué par celui-ci quand il a pris une décision. Il a voulu éclaircir l'affaire entre juge Howard, l'ex-juge Howard, le LAPD et le gouvernement. Je pense que M. Howard ne me porte pas dans son cœur, et ça c'est tout à son honneur. Et c'est son avis personnel, et c'est qu'un avis, c'est son opinion, et là c'est qu'un avis personnel. Je n'ai rien pour le prouver, bien et sûr. Je ne cherche pas non plus à le prouver. Maintenant, je sais que M. Howard a essayé de m'attaquer sur ce mandat. Il y avait à son sens un manquement de l'épidémie. Ce manquement est effectivement expliqué en disant que sur des faits logiques, on pouvait peut-être y voir un manquement. À mon sens, mais c'est pas vraiment dangereux. Maintenant, j'ai expliqué les causes et les circonstances qui ont amené à cette illusion de manquement. J'ai été mené au jeu du juge N'Golo, donc au juge de la Cour suprême, d'accord. Et ce juge a statué sur le fait qu'il n'y avait pas de procédure, malversation, corruption ou autre. Bien sûr. Ça, c'est un fait. Maintenant, moi, j'ai à cœur de faire mon métier. Du mieux possible. Encore une fois, la corruption, mais ça ce n'est que ma parole, la corruption, l'abus de pouvoir, c'est quelque chose dont je suis révélé, quelque chose pas dans ce département sous mon commandement, c'est assuré. Et du moins, s'il s'avère qu'un agent outrepasse sa fonction, sera traduit en justice et affecté par les mesures disciplinaires adéquates, avec une tolérance zéro. Ça, c'est un fait. Après, non, ce n'est pas un fait, mais une profession de foi. Sur cette affaire, je pense très sincèrement qu'elle a été totalement entérinée. En fait, cette affaire est entérinée. Ce que là, je suis en train d'essayer de mener un peu une étude de background sur mon client, histoire qu'on ne ressorte pas des cadavres du placard pendant le procès, que je sois et pour discréditer mon client sans que je sois préparé. Si vous voyez, c'est un simple travail d'enquête, et en fait j'essaie d'obtenir un visuel global de la situation qui environne mon client et les potentiels perpétrateurs.
coupable de, après, de l'infraction dans ces locaux. Donc c'est pour ça que j'étudie un petit peu cette affaire comme base préexistante de conflit entre entre Monsieur Howard et le LAPD, entre Monsieur Howard et le gouverneur. Vous voyez, j'essaie de, Je vais vous donner un gros coup de pouce parce que je suis quelqu'un de très transparent. Je n'en dirai pas sur cette enquête. Ce qui est sûr, c'est que on a une preuve formelle que aucun membre du LAPD n'aurait pu commettre ce méfait, en tout cas. De toute façon, c'est un bureau qui pas... est fermé dans un bâtiment fédéral avec. Ouais. De toute façon, il ne pourrait pas, même s'il y a eu des différends entre monsieur... Ce n'est pas un membre du LAPD vers lequel a essayé de... Enfin, sur lequel monsieur Howard a des suspicions. Donc ne vous inquiétez pas, personne de votre gouvernement... Non, mais du coup, vous dites que justement, les différends qu'il y a pu avoir entre moi et monsieur Howard ne peuvent pas rentrer non, en ligne de compte. Ils ne peuvent pas rentrer. Par contre, ils peuvent dresser un portrait du personnage de mon client. Et... Si la défense, quand il y aura défense, s'il y a accusation et défense, la défense pourra très facilement utiliser des manquements, par exemple, s'il est avéré que Monsieur Howard a outrepassé ses droits dans le cadre de l'affaire Milton, la défense pourra très facilement utiliser ces informations pour discréditer l'accusation de Monsieur Howard. C'est dans cette qualité-là que je m'intéresse à cette affaire. Mais vous voyez ça juste comme un simple intéressé, une simple étude du background J'entends bien, c'est pour une question toute transparence, parce qu'on sait, vous comme moi, que je n'y suis pas tenu. C'est cocasse. Le commandant désire mettre en exergue sa bonne foi dans les réponses à mon interrogatoire, et c'est un mécanisme de défense qu'on retrouve très souvent chez les coupables, bien que le droit américain interdise d'interpréter un refus de répondre comme une preuve de culpabilité. Il y a bien quelque chose caché derrière toutes ces déclarations. Bien sûr. Ah ben non, c'est une réunion informelle. Je suis venu initialement pour vous parler du fait que j'ai représenté Monsieur Howard. Ensuite, vous m'avez questionné sur les questions que j'avais pu poser à certains de vos agents. Donc du coup, j'embraye sur la conversation. Mais je ne suis absolument pas venu pour vous... Je n'ai pas questionné dessus. Je me doutais bien qu'il y avait une étude... Et que, en votre qualité d'avocat, forcément, vous alliez vouloir avoir des informations, et c'est normal. Et c'est ainsi qu'est faite la justice, et je le respecte profondément. J'étais juste simplement en train de vous dire que je pouvais apporter peut-être des éléments complémentaires, et vous pouvez répondre à vos questions, tout simplement. Mais rien de plus, il n'y a pas de... Eh ben écoutez, faut... Encore une fois, je vous dirais simplement que... Et c'est un avis très personnel et très informel, c'est que Monsieur Howard est quelqu'un qui a de très solides connaissances en la justice. Mais... Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a eu des manquements? Il y en a un qui est avéré envers ma personne, et l'affaire a été, entre guillemets, jugée, a été cassée, surtout à mes yeux. Monsieur Howard est venu présenter ses excuses ultérieurement, que j'ai accepté et que j'ai apprécié. En sens flatter mon ego, mais en sens, c'était une main tendue pour retravailler main dans la main, le département de la justice et son bras armé, qui est le LAPD. Et moi, je vois que ça. Peu importe, on a un travail à faire. Maintenant, on le fait. J'ai appris également la démission de Monsieur Howard, j'en ai pas les tenants ni les aboutissants là-dessus. C'est d'un côté très dommage. Parce que j'ai su aussi qu'il avait été suivi par le substitut. Oui, le substitut. Que ça avait fait grand foin et que ça met à mal le département de la justice. Et... Donc... Donc voilà, le fait est que Monsieur Howard donc a démissionné. Je ne peux pas vous révéler les raisons et les tenants, les aboutissants. Le substitut du procureur a également démissionné. Et tout ça me fait poser des questions, et c'est pour ça que j'essaie de connaître un petit peu la situation dans cette ville dans laquelle je ne fais que débarquer. Donc, voilà la raison de ces petites questions auprès de certains de vos officiers, qui ont toujours été très corrects, et bien sûr, j'ai toujours assisté pour que ça reste informel et qu'aucune information sensible ne... J'ai jamais essayé d'obtenir d'informations sensibles ou quoi que ce soit.
De toute façon, c'est tout à travers, et si vous en aviez obtenu, effectivement, il y aurait... Je vous l'aurais signalé, parce que ça aurait, j'y aurais été tenu par la loi. Effectivement, ils auraient été, du coup, enfreint la loi, et comme étant tenu dans ce département, effectivement, on se serait exposé à de lourdes sanctions. Pas exactement, puisqu'en tant que représentant légal du plaignant, je suis moi aussi dans le secret de l'instruction. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est disponible, j'avais mon numéro. Oui, bien sûr. Lors de l'infraction, je me demandais, le LAPD est venu sur place et a sécurisé la zone. Avec les scellés et tout ça. Tout à fait. Et tout ce qui se trouvait à l'intérieur du bureau a été mis sous scellé également pour en faire un inventaire ou... C'est bien ça. D'accord. C'est bien ça. Il y a eu ça, il y a eu le PC, l'ordinateur portable, il me semble l'ordinateur du qui a été également pris pour voir s'il avait été touché et autres, et pour relever les empreintes, hein, tout simplement, empreintes et traces. Ouais. Il y avait un peu de sang, donc on a relevé aussi l'ADN par-dessus. Voilà, ça c'est ce que je voulais savoir. L'ordinateur est donc versé aux pièces à conviction, ce qui signifie que son contenu, notamment les dossiers d'enquête, peuvent être utilisés comme éléments de l'instruction. D'accord. Bon, de toute façon, ça, j'en saurai plus quand j'aurai accès au rapport. C'est ça. De toute façon, effectivement. Eh bien, je vous remercie. Le procureur et le rapport jugeront de la tenue de l'enquête et de son exécution. Très détaillé. Je vous remercie, commandant. Pas de problème, maître Mal. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Lieutenant commandant... Lieutenant... Capitaine. Mes respects et bonne soirée. Bonsoir. Bon, malgré toute sa tentative de conserver son self-control, le commandant m'avait donné suffisamment d'éléments pour progresser. Il était conscient du ressentiment d'Howard à son égard, et sensible comme il était, nul doute que ça le mettait hors de lui qu'on puisse mettre en doute la probité de son département. Si jamais il devait être amené à témoigner au cours d'un éventuel procès, c'est sur ce point qu'il faudrait que je fasse pression au moment de l'interrogatoire, pour le faire sortir de sa zone de confort et obtenir des témoignages intéressants. Howard l'avait poussé à bout avec son ingérence dans ses services et s'est mis en accusation. Et vu comme N'Golo avait stoppé Howard, et à quel point Van Buckler tenait à rappeler qu'il avait été lavé de tout soupçon par le président à la Cour suprême, il n'y avait plus aucun doute qu'une certaine sympathie exista bel et bien entre les deux hommes. Mais pas au sein d'un groupuscule corrompu comme le voyait Howard. Par contre, peut-être une amitié assez forte pour que N'Golo soit lui-même exaspéré par les accusations d'Howard envers son ami, chaque jour un peu plus, jusqu'à finalement craquer. Une affaire personnelle finalement. Il restait des failles dans mon éventail d'éléments, mais pour moi, le portrait était assez clair. Maître Mann, j'écoute. Vous faites du pro bono ou pas? Oui, bien sûr, capitaine. Okay, vous pouvez vous rendre au commissariat, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis là dans 5 minutes. Ok, très bien, à tout de suite. Un commis d'office. Parfait. Une affaire un peu plus légère pour me détendre et pourquoi pas faire oublier un peu toute cette agitation. Si je pouvais éviter d'être perçu uniquement comme celui qui vient faire chier le commandant et le juge de la Cour suprême, ça m'arrangerait. Écoutez, suivez-moi, je vais vous recevoir dans un petit bureau et puis on va prendre ça. Ça marche. Ouais. Maître Mann, c'est bien ça? Oui, mes respects, commandant. Écoutez, ils sont en train de faire la procédure. Vous connaissez le chemin pour aller aux cellules? Non, je n'y suis encore jamais allé. C'est parti. Monsieur Slough. C'est tellement un labyrinthe ici.
ça, vous prenez de là à droite et vous grimpez. Ouais. J'arrive. Ok, ça marche pas ici. Comment allez-vous, commandant? Pour information, on a Maître Mann dans les locaux, je vous ramène. Bah écoutez, très bien, et moi. Très très bien. Pas trop de travail en ce moment? Voilà, oui, bah des petites affaires courantes. Hein. Ouais, ça fait vous avez présenté vos papiers, monsieur? Papiers d'identité. Alors, vous allez même pouvoir assister à la procédure. Ouais. Je vous remercie, vous commandant. Vous laissez en trop de bonnes mains. Bonjour, officier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tenez. Bonjour. Monsieur Sick. Yarnes. D'accord. Donc, monsieur Ernest, on vous a interpellé sur le lieu d'un méfait de vol de véhicule. Est-ce que vous reconnaissez les torrents? Ah oui, direct. Enfin, je veux dire, c'est plutôt au juge de poser ces questions qu'à un officier de police. D'accord. Dites-moi juste pourquoi vous avez des gants, monsieur, sur vos mains. Des gants latex qui puisent. Parce que je travaille en livraison et que j'arrive pas à les enlever. Et parce qu'on est début 2020 et qu'il y a une pandémie mondiale en cours de préparation? Et puis il n'y a aucune loi interdisant de porter des gants chirurgicaux dans la rue, donc je vois pas ce que ça vient faire là. Une voiture de flic qui arrive, avec les phares allumés. Vous avez des gants sur la main, sur le lieu d'un effractionnement de véhicule, avec des gants, et vous barrez quand vous entendez les sirènes arriver. Ou plutôt parce que s'il y a une intervention de police dans une zone, c'est peut-être qu'il y a un méfait dont on n'a pas envie d'être victime. Vous trouvez ça normal? Ben non, mais le truc c'est que j'entendais pas grand-chose à ce moment-là. J'ai eu une absence. Vous avez pas entendu les sirènes, monsieur? Vous n'avez pas vu arriver? Vous avez pas vu trois agents de police arriver à votre pouce? Ben, je l'ai vous avez pas vu ou vous avez pas entendu? Parce que si vous les entendez, c'est une chose, mais que vous les voyez, c'est une autre. Donc, ben, j'ai pas entendu, du coup, comme je courais après le monsieur qui courait... C'est une blague. Nous, on est arrivés, on vous a vu que vous courir quand vous avez vu arriver, hein, monsieur. Sauf qu'ils n'ont pas d'éléments qui affirment la présence du deuxième suspect sur la zone. Il y a un monsieur devant moi, je sais pas... J'ai pas cette force pour fracturer une porte. Il était comment, ce monsieur? Il avait une casquette, des lunettes de soleil, les cheveux marrons, un petit peu de barbe, une doudoune, et un pantalon blanc. Ouais. Quelle couleur la doudoune, monsieur? Noir, elle est à manches courtes avec dessous un sweat gris, il me semble. D'accord. Vous lui avez parlé à ce monsieur? Comme j'étais sur les murs, je pense que... Il entendait pas grand chose non plus avant que je m'endorme et que je me réveille. Vous êtes endormi et vous réveillez avant. Après, le principe, monsieur, vous avez des gants latex à côté d'une scène une scène de vol de véhicule ou au moins d'effraction d'un véhicule avec des gants. Vous voyez les flics et vous barrez. Enfin, excusez-moi, monsieur, mais là, tout me dit que vous êtes la personne qui a effectué cette infraction. Et pourtant, c'est pas moi. D'accord. Donc, vous voulez un avocat, monsieur? Ah oui, alors ça, c'était ce qu'il fallait demander avant l'interrogatoire, au moment de la lecture des droits Miranda. Bah, je sais pas, dites-moi. Écoutez, deux possibilités, soit vous plaidez coupable et ce sera vite fait, soit vous plaidez non coupable et là, on part devant une cour et puis on réglera ça devant la justice. Aïe, 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 aïe. Je voulais profiter de cette affaire pour faire ami-ami avec le LAPD, mais là, le sergent Cutter est carrément parti sur une négation du droit à la représentation de Monsieur Six, tel qu'assuré par le 6e amendement à la Constitution des États-Unis. Ah, les droits Miranda. Le point de procédure américaine le plus connu du fait de sa surexploitation dans les films. Vous savez, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Nommé du fait du procès qui fait jurisprudence, Miranda versus Arizona de 1966, les droits Miranda sont une formule devenue obligatoire dans tous les police departments américains lors de l'interrogatoire d'un individu dans un environnement hautement policier, où la prédominance de la puissance policière pourrait servir de moyen de pression pour délier la langue du suspect, et ont été conçus comme rappel aux citoyens de ses droits constitutionnels. Et premièrement, le droit à ne pas témoigner contre soi-même, garanti par le 5e amendement, qui garantit à tout individu le droit de se soustraire à un interrogatoire policier de peur de fournir par ses réponses des éléments à charge contre lui-même. Ou d'utiliser un représentant légal pour répondre aux questions à sa place, un avocat étant formé et plus habitué aux interrogatoires policiers qui pourraient déboussoler les citoyens qui n'ont pas une grande expérience de l'appareil judiciaire. En second lieu, les droits Miranda rappellent aux citoyens son droit à un conseil légal, justement, garanti par le 6e amendement. Selon les procédures des différents police departments, l'individu peut décliner l'un ou la totalité des droits énumérés dans la formule Miranda, soit par acquiescement oral, soit, dans certains police departments, par signature écrite.
Il est très important de noter que le fait d'exercer ses droits constitutionnels ne peut en aucun cas être retenu contre le suspect, et que toute tentative de le forcer à renoncer à ses droits peut être jugée comme une atteinte aux droits constitutionnels du prévenu. Vous avez deux possibilités, monsieur. Mais là, actuellement, toutes les preuves s'accablent contre vous, monsieur. Ouais, ben... Monsieur, je tiens à vous signaler que je suis déjà présent et entendu l'ensemble de la procédure et que malgré les déclarations du sergent, les preuves contre vous ne sont pas irréfutables. Compliqué à défendre, hein. Ça, c'est à moi d'en juger, monsieur Six. Je suis avocat, c'est pas ma première affaire. Laissez-moi m'inquiéter de l'angle juridique de l'affaire, ok? C'est bien pour ça que le 6e amendement vous garantit un droit au conseil juridique et garantit que le fait d'exercer ce droit ne sera en aucun cas être retenu contre vous. Donc vous avez tout à gagner, acceptez mon conseil et rien à perdre. Ouais, bah on peut essayer ça, ouais. Très bien, sergent. Je représente désormais monsieur Six dans cette affaire. Nous autorisez-vous à prendre possession d'une de vos salles d'interrogatoire pour avoir un entretien avocat-client? Attendez un petit instant. Je vais juste voir. Je vais surveiller Cadet. Je reste juste. Très bien. S'il te plaît. Bon, en attendant, je commence le dossier. Quel est votre nom complet, monsieur Six? Ernest Six. S-I-C-K-S. Et je remercie. Quelle est votre activité professionnelle? Eh ben, je suis livreur, du coup. Livreur camionneur? Oui. J'aurais bien aimé changer parce que c'est un peu pénible de conduire avec tous ces feux. Et... Ah bah le code de la route a vocation à sauver des vies, monsieur, c'est une question de sécurité. Hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais moi je préfère quelque chose où il n'y a pas besoin de conduire, du coup je suis en train de chercher les autres métiers, je suis arrivé hier. Ah, vous n'êtes pas d'ici? Je viens d'Angleterre, de Londres. D'accord, l'Europe. J'ai jamais mis la pied, mais j'en entends beaucoup de bien. Bonjour. Monsieur l'avocat et monsieur... Monsieur Six, excusez-moi. Venez, je vous accompagne, vous allez vous entretenir tous les deux. Et puis on verra, vous me direz ce qu'il en est. Je vous remercie, sergent. Je vais vous laisser une salle où vous avez qu'on ne peut pas venir vous écouter. Voilà. Merci beaucoup, sergent. Alors, monsieur Six, vous êtes ici pour des charges de vol de véhicule, c'est bien ça? Un vol de véhicule, il a pas bougé de place, mais... Ah oui, donc plutôt tentative de vol de véhicule. Oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez du modèle du véhicule en question? Non, je m'en souviens pas, mais les forces de police vous ont-ils lu vos droits Miranda lors de votre interpellation? Oui, il me les a lus. Et donc pendant la procédure, le sergent parle également de charge pour refus d'obtempérer, c'est bien ça? Non, je crois qu'ils ont dit que la tentative d'effraction, enfin, l'effraction de véhicule, ouais. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près où se sont déroulés les faits? Ça s'est passé... Attendez, c'est pas très loin d'ici... Alors moi je suis comme vous, hein. Ça fait pas longtemps que je suis à Los Angeles, alors essayez de m'expliquer, je vais tenter de vous suivre. C'est quand on descend le long du canal, il y a un hôtel, pas très loin. Ah oui, du côté des quartiers un peu... Plus vers le sud. Ouais, proche des quartiers un peu chauds, c'est ça? C'est ça. Vous résidez actuellement dans cet hôtel, monsieur? Pas dans celui-là. Alors racontez-moi un peu ce qui s'est passé. En fait, et du coup, il y a une... Je crois que c'est une primo devant. Enfin, ça doit pas ça. Ouais, une berline, quoi. Et bah, du coup, j'étais en voiture avec un ami. Hein. Ah, vous aviez un ami avec vous? Est-ce que vous pourriez me donner son nom? On pourrait l'appeler pour témoigner de votre version des faits. Bah disons que en fait c'est pas moi qui ai fait l'effraction, c'est lui donc. Ah oui donc lui. Et lui il est parti en courant, ils l'ont même pas vu, vous voyez. Ils m'ont vu que moi donc. D'accord, donc vous prenez pour lui. Oui voilà. Et vous n'en voulez pas votre ami de vous faire porter le chapeau? Non. Alors une solution possible pour sortir d'ici, monsieur, serait de donner aux officiers le nom de votre ami pour qu'il prenne la peine qui lui est due et vous acquitter. Bah après, je sais pas quelles sont les sanctions par rapport à ça. Alors là, on est sur une tentative d'effraction de véhicule et également sur un refus d'obtempérer à pied. Alors on va essayer de jouer un maximum de cartes, mais les sanctions sont lourdes. Et on est à combien? J'ai pas le livre de peine en tête. La tentative d'effraction, à la rigueur, n'est pas un délit grave. C'est plus le refus d'obtempérer qui risque de vous coûter cher. Bon, continuez à raconter votre version. En fait, le principal souci, c'est qu'au moment où ils sont arrivés, j'ai vu mon ami courir, et à ce moment-là, bah, j'entendais plus rien, et on m'entendait plus non plus. Ah d'accord, une surdité soudaine. C'est chronique ou c'est la première fois que ça vous arrive, monsieur? Chronique, et je comprends pas pourquoi, des fois, au bout d'une heure, d'un coup, je deviens sourd et muet. Ah oui, surdité et aphonie. Vous avez consulté pour ce problème? Non, pas encore. Je suis arrivé hier et ça me l'a fait déjà deux fois. D'accord. Alors ça nous arrangerait fortement d'obtenir un diagnostic médical sur ce souci de santé. Un élément médical, c'est toujours intéressant dans un dossier. Et vous avez également dit au sergent que vous aviez fait une sieste sur les lieux? Bah, juste avant l'arrestation, oui, parce que c'est le seul moyen pour que mon problème de surdité s'arrête, quoi. Ah oui, d'accord. Donc vous faites une micro-sieste et ça vous guérit de vos surdités et de votre aphonie. Oui, voilà. Très bien. Eh bien, préalablement à l'audience, je vais présenter cet élément au juge et je pense qu'il m'accordera un examen médical pour vous. Avec le diagnostic des médecins, on devrait pouvoir parvenir à nuancer, voire à annuler les charges de refus d'obtempérer.
Bien sûr, nous n'aborderons ce sujet que si le refus d'obtempérer est bien retenu comme charge. Parce que le commandant n'en a pas fait mention, lui. Oui, c'est ça. C'est... Si le délit de fuite n'a pas été retenu, je vois pas trop l'intérêt de... Bon, reprenons. Vous vous baladiez avec votre ami. Oui, on passait. Et il s'arrête. Vous vous êtes arrêté près du véhicule. Oui, parce qu'on voulait regarder ce que c'était comme voiture. Et puis il a commencé de... Voilà, de la forcer la porte. Et comment s'y est-il pris pour tenter de forcer le véhicule? Bah j'ai pas, je regardais plus la voiture et après il m'a dit cours, enfin il m'a dit cours, je l'ai plus entendu du coup et moi j'ai vu la police quoi. D'accord, vous avez vu la police arriver et vous avez pris la fuite à la suite de votre ami. Oui oui, ils ont même pas vu qu'il était là en fait, donc ils m'ont vu que moi, donc du coup c'est pour ça que je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir payer des coupables, hein, ce sera plus simple. Écoutez, Monsieur Six, c'est moi l'avocat. Laissez-moi vous donner mon conseil avant de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Qu'il n'ait pas vu le deuxième suspect est une chose, mais il n'a aucun élément pour discréditer votre version des faits et la présence du deuxième individu. Dans ce genre de cas, ça devient tendu pour le prévenu lorsqu'il invente un autre suspect, parce qu'il finit toujours par se contredire dans ses mensonges, mais dans votre cas, le deuxième suspect, il est bien réel. Quel véhicule conduisez-vous, Monsieur Six? Ouais, non, puis... Moi, j'ai une Yamaha, une motocross. Ouais. D'accord, donc c'est dans le véhicule de votre ami que vous êtes arrivé sur place. Oui. De quel modèle s'agissait-il? Oui, celle-ci, mais c'est une BM, alors laquelle, je sais pas du tout. Très bien, donc la voiture n'est pas à votre nom. Ça nous aurait permis de plaider que vous étiez vous-même déjà véhiculé et que vous n'aviez aucune raison de prendre la fuite à pied. Ah non. Non, pas du tout. Non, c'est... Je vois pas trop comment faire, enfin... Si... Non, ne me parlez pas de plaider coupable, Monsieur Six. Est-ce que vous avez d'autres amis à Los Angeles? Bah, à part lui, j'ai rencontré quelques personnes, mais... Ouais. Ouais, donc j'imagine que vous ne voulez pas l'inculper. C'est pour ça, j'ai pas envie de le mettre dans les histoires en plus. Mais vous avez fait mention au sergent de la présence d'un deuxième individu sur place. Ben, j'ai dit que j'avais vu un monsieur et que je lui disais d'arrêter, quoi. Voilà. Son véhicule était sur place, donc ils ont peut-être son nom avec la plaque. Mais on n'abordera pas le sujet de son identité de nous-mêmes, ok? On va faire pas en parler, tant pis. Voilà, s'ils n'ont pas son identité, on ne leur propose pas parce qu'on ne veut pas foutre votre ami dans la merde. Après tout, ils n'ont même pas vu son visage, ils peuvent pas l'identifier. Oui, qu'ils l'ont pas vu. Alors qu'il y avait le véhicule de mon ami juste à côté et qu'ils ont même pas, déverrouillé et... ouvert, ils ont même pas regardé, quoi. Donc... Bon, ça nous aurait bien aidé, je vous avoue, de remettre le vrai coupable à la justice, mais ok. On va pas utiliser cette carte et on va tenter d'autres approches. Moi, je pense que ce sera plus simple de plaider coupable. Enfin, plus simple, non, mais. Enfin, plus rapide de plaider coupable. C'est pour aller au tribunal et que de toute façon, comme ils ont. Enfin, ils ont pas de preuve qu'il y avait une deuxième personne, ils vont dire c'est moi. Non, ils n'ont pas de preuve de la présence d'un deuxième suspect, mais ils n'ont pas de preuve ni en cette présence non plus, Monsieur Six. Oui, mais bon. C'est... Ne soyez pas défaitiste. Le poids de la preuve est du côté de l'accusation, et en aucun cas de notre côté. Donc c'est à eux de prouver qu'il n'existe aucune possibilité que vous n'ayez pas commis le méfait. Les cartes sont entre nos mains, Monsieur Six. Le burden of proof, ou poids de la preuve, désigne le standard selon lequel le procès est jugé. Dans le cas d'une affaire criminelle, comme c'est le cas ici, le burden of proof retenu dans la totalité des États américains est le « beyond any reasonable doubt », au-delà de tout doute raisonnable. Cela signifie que c'est à l'accusation de fournir des preuves pour convaincre le jury qu'il n'existe aucun doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. L'existence d'un deuxième suspect potentiel, par exemple, représente un doute raisonnable. Selon les affaires, le burden of proof peut varier. Par exemple, lors d'un litige civil, chacun des deux parties doit prouver que sa position est plus valide que celle de l'adversaire, ce qui est un standard de preuve plus léger. Après, ils m'ont vu que moi à côté de la voiture fracturée qui commençait à courir quand ils sont arrivés, quoi, donc... Ouais, mais la fuite relève du refus d'obtempérer et on a déjà des éléments pour répondre à cette accusation. Il y a nombre d'innocents qui fuient en voyant arriver une voiture de police sirène hurlante. Ils ne vous ont pas vu toucher la portière du véhicule ou tenter de fracasser une vitre, si? Non, ils m'ont pas vu toucher la portière du véhicule. À la fouille, ils n'ont pas non plus trouvé sur vous d'outils qui auraient pu vous aider à fracturer un véhicule, comme un objet contendant ou coupant. Absolument, je fais de la cuisine, des livraisons, du coup. J'ai quelques ingrédients, mais pas d'objet... Pas non plus de nécessaire de crochetage. Ah non, je sais pas où on en trouve. Donc tout ce qui vous reste pour tenter l'effraction du véhicule, ce sont vos mains. Vous n'avez pas arraché la portière ou fracassé la vitre avec vos mains, Monsieur Six. Non.
Non, non, je suis pas assez musclé pour briser une vitre à main nue, hein. Alors. Je vais essayer de leur expliquer, mais bon, après ils m'ont dit qu'on allait aller au poste de toute façon, donc... Là, vous avez entendu ce que je lui ai demandé? Non, j'ai pas entendu. La sonnette avec le cadet, c'est bon. Oui, ici. Oui, donc voilà, vous n'aviez aucune possibilité matérielle de vous livrer à l'infraction du véhicule. Oui, je suis clairement pas assez fort pour à main nue ouvrir une porte. Pour revenir au sujet du deuxième suspect, on est d'accord du coup que lors de l'arrivée des forces de police, votre ami a pris la fuite dans la direction opposée, de sorte que vous le masquiez totalement à la vue des forces de l'ordre. Bah oui, parce qu'au moment, où ils sont arrivés, j'étais assez loin. Enfin, je pense que j'étais assez loin parce que je les ai pas entendus, donc... Ouais, mais vous les avez pas entendus à cause de votre problème de surdité. Bon, et on est d'accord que vous regardiez votre ami partir et que vous tourniez du coup le dos à la voiture de police. Oui. Et par où est-elle partie, cette personne? Bah, elle est passée par-dessous, elle a sauté un mur, et après, moi j'ai voulu la suivre, sauf que j'ai raté... Je me suis retrouvé coincé derrière une haie. Donc on pourrait arguer que vous avez vu cette personne tenter de fracturer le véhicule et que vous lui avez couru après pour tenter une arrestation citoyenne. Oui. Et ainsi, on déclara que vous ne connaissiez pas cette personne et on évite de donner son identité aux forces de l'ordre pour préserver votre ami. Oui, ou non. Si possible. Enfin, c'est mieux. On fait comme ça, monsieur Six? Oui. Bon, on est d'accord sur cette ligne de conduite et qu'on arrête de plaider coupable, hein? Non, on va faire cette démarche, hein. Ouais. Là, je vous cache pas que j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, donc... Très bien. Allons trouver le sergent pour lui indiquer que nous sommes prêts pour une comparution immédiate. Maître. Mes respects, capitaine. Je me suis entretenu avec mon client et nous sommes prêts pour une comparution immédiate si c'est dans le domaine du possible. Je vais tenter d'appeler un juge déjà. J'ai une polo est en route. Ah bah vous avez entendu ou... Je peux voir deux secondes. Oui. Oui. Tout à fait. Si c'est à propos du nain de jardin, ouais, je sais pas quoi vous dire. Oh, du nain de jardin, qu'est-ce que c'est que cette traînerie? Je sais pas, mais ça a l'air palpitant. Une affaire du nain de jardin, ça. Ça va me passionner. Ah oui, j'imagine bien. Vous avez vu, vous avez un concurrent. J'ai surtout une concurrente dans le concours de beauté de Los Angeles, là. Ça peut peut-être valoir le coup de monter un bureau, du coup. Oh, vous savez, lieutenant, je suis plutôt du genre à faire cavalier seul pour garder mon indépendance. Vous restez indépendant? Ah oui. Non, par contre, c'est intéressant, j'espère que ce sera un bon. J'ai hâte d'avoir des joutes enflammées lors des procès. Bah, lors des débats publics, oui, tout à fait, exact. Eh oui, un peu de spectacle. Pas de problème de surdité pour le moment, monsieur Six? Oh bah oui, ça peut arriver. Parce que là, je viens de faire un somme et de me réveiller, mais... Je pense que... On le verra, de toute façon, vous ferez mes lèvres bouger, mais aucun son sortir. Ah oui, bah je ferai attention pendant l'audience. Et c'est une condition préexistante? Eh non, c'est depuis que je suis arrivé ici. Ouais, sûrement le changement de climat qui a dû dérégler quelque chose. Commandant? Bonsoir. Monsieur le Président Ingolo. Mes respects, monsieur le Président. Mes respects, monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir. Respect. Capitaine. Monsieur le Président, mon client Monsieur Six comparé aujourd'hui pour tentative d'effraction de véhicule. Alors, suspicion et effraction derrière un coffre et surtout tout pour refus de pédestre. Pardon, quelle est la dernière charge? D'accord. Un refus d'obtempérer pédestre à pied. Ah oui, très bien. Oui, tout à fait. Alors, je laisse de côté la suspicion qui n'est pas une charge. Pour ce qui est de la tentative d'effraction, mon client n'a pas touché le véhicule et n'a été reconnu au moment de son interpellation porteur d'aucun outil qui aurait permis l'effraction. Quant au délit de fuite, il faut savoir qu'au moment des faits, mon client était atteint d'une crise de surdité soudaine, une condition toute récente qu'il a contractée suite à son arrivée dans notre ville. Ouais, là, ce problème, c'est que, au-delà d'entendre les sirènes, je pense pas que la surdité provoque un souci au niveau de la vue. C'est à mon sens, je ne suis pas médecin. Et il s'agit bien évidemment d'un ROP, non pas d'un DF, qui est différent entre le délit de fuite et le refus d'obtempérer. Bon, ça commence mal. Déjà, dans une procédure judiciaire, c'est à l'accusation de commencer avec son discours d'ouverture, lors duquel les faits sont rappelés, les charges requises énoncées, et pendant lequel le procureur explique ce que les éléments et témoins qu'il s'apprête à produire devraient amener comme conclusion pour le jury. Et c'est uniquement dans un second temps que la défense a la main et doit réaliser un discours d'ouverture, et présenter son propre dossier.
Là, on me fait prendre la parole en premier et rappeler les charges moi-même, alors qu'aucun fait n'a été rappelé. Et en plus de ça, les charges ont changé depuis l'interpellation sans que nous ne soyons jamais prévenus pour mettre à jour notre stratégie de défense. Et contiennent des charges aussi farfelues que suspicion. Et par-dessus tout ça, alors que j'explique notre défense, alors qu'aucun élément de preuve n'a encore été fourni par l'accusation, le procureur me coupe la parole pour émettre une réponse. En théorie, ça, c'est un outrage à la cour, mais bon, passons. Monsieur Six n'est en effet pas atteint de cécité. Cependant, étant tourné dans la direction opposée à votre patrouille, il n'a pas non plus vu votre unité, et n'entendant aucune sirène, n'a pas ressenti le besoin de se retourner pour vérifier la présence d'une voiture de police. N'est-ce pas, Monsieur Six ? Eh ben, j'étais dedans, donc moi, c'est quand je me suis retourné vers la haie que je les ai vus la première fois, où je me suis arrêté, du coup, Monsieur Six, nous sommes trois agents assermentés. D'accord. Deux agents assermentés et un cadet de police. On arrive face à vous, et lorsqu'on descend de la voiture, vous faites quoi? Vous partez en courant. Vous interpréteriez ça comment à ma place, Monsieur Six? Alors j'avoue que j'ai été déstabilisé par la première interruption du commandant, et que j'ai aussitôt commis l'erreur de présenter mon client comme témoin. Monumentale erreur. Il ne faut jamais laisser son client parler. Ils ne font que s'enterrer, ces cons-là. Et à partir de là, c'est le festival. Le substitut du procureur interrompt le témoignage encore une fois et introduit son propre témoignage pour contredire celui de Monsieur Six. La procédure c'est 1. J'interroge mon témoin, Monsieur Six. 2. Contre-interrogatoire de Monsieur Six par le commandant sans introduire son propre témoignage. 3. Le commandant interroge son témoin, lui-même. 4. Je contre-interroge son témoin. Et découpé comme ça, on voit bien que le substitut du procureur se retrouve à témoigner puisqu'il a lui-même participé à l'opération en question. Là on n'est pas loin du conflit d'intérêts, même si c'est plus ou moins une zone grise. Et enfin, le témoignage rétorqué par le commandant ne fait que placer ces deux témoignages dans un cas de parole contre parole. Eh oui, car il faut comprendre que la parole d'officier assermenté n'a aucun poids dans une procédure criminelle. Le terme « officier assermenté » signifie que l'officier est capable de dresser des procès-verbaux dans le domaine contraventionnel. Dans ce domaine, et uniquement dans celui-ci, l'officier de la loi peut se substituer à un juge, et c'est bien de cela qu'on parle quand on évoque l'assermentation des policiers. En revanche, hors de ce cadre, la parole d'un officier des forces de l'ordre est équivalent à celle de n'importe quel citoyen, et ne saurait prévaloir dans une situation de parole contre parole. C'est une fiction très ancrée dans les têtes, et c'est pour ça que nombre de cours de justice américaines demandent aux juges, lors du témoignage d'un officier de police, qu'ils instruisent bien le jury et leur intime de prendre en considération le témoignage du citoyen sans égard pour le badge qu'il arbore, afin de ne pas être biaisé par l'uniforme. Mais quand je suis de dos, je peux pas voir derrière moi. Oui, commandant, mon client a clairement indiqué que vous êtes arrivé dans son dos. En l'absence d'éléments contraires, son témoignage n'est pas invalidé. Il est vu de face, je vous répète. De toute façon, dans tous les cas, pour se retourner, on est bien d'accord qu'on balaye à 180 degrés. Et pour le coup, il a balayé à 180 dans notre direction. Donc, dans tous les cas, moi je l'ai vraiment vu côté au niveau du véhicule, balayer et repartir. Après, je veux bien entendre pour les problèmes de surdité et attention, je note également que ce Sixte soit a décidé d'obtempérer, soit coincé par le buisson, s'est retrouvé bien dépourvu et bien en point quand il s'est retrouvé entouré. Oui, et il a bien dit qu'à ce moment, il les avait vus. Et quand même que le doute est raisonnable et que le comportement est suspect. Le doute est raisonnable quant à sa culpabilité, d'où l'interpellation, mais également raisonnable quant à son innocence. Pour ouvrir une voiture à main nue, vous m'avez fouillé, j'avais aucun objet sur moi, donc... Nous on a une alarme. Un passant qui nous signale un comportement suspect en provenant d'un véhicule, d'accord? Le passant nous donne généralement le véhicule, sa position et la plaque d'immatriculation. On se rend sur place. Effectivement, on voit deux individus partir. Dont vous. Ah donc vous confirmez la présence d'un deuxième individu? Bien sûr. Nous, le choix se pose, toujours, de ne pas se séparer. Sur un seul équipage, on ne peut pas se séparer sur deux individus étant trop dangereux. Nous avons fait le choix, la chance et le malheur pour vous. Bon, c'est vous qu'on a pris en poursuite, parce qu'on était sûr que vous nous aviez bien pris en poursuite. Et on en arrive là. Maintenant, ce n'est pas moi de dire que vous êtes coupable ou autre. Moi, j'ai des protocoles, il y a une justice, des lois, je les applique. On vous voit autour d'un véhicule, il y a quelque chose de signalé. Quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher, ne bougerait pas. Ne partirait pas en courant. Putain, c'est tellement fallacieux. Et dans une direction totalement opposée aux forces de police. Donc, de mon point de vue, effectivement, je prends ça pour un refus d'obtempérer. Surtout, que vous n'entendiez pas, c'est un fait, et que vous voyez un véhicule avec des sirènes, trois agents descendent se diriger vers vous, généralement c'est assez équivoque, même si on ne vous entend pas. Par contre, on s'est bien signalé par deux fois. Et bien quand il a vu les forces de l'ordre, il a obtempéré. Non, mais après, quand j'ai retrouvé, l'oreille après un petit somme, je vous ai très bien entendu, vous m'avez très bien allumé droit, c'était
Voilà. Très bien, après, de toute façon, on s'accorde qu'effectivement, dans tous les cas, même après votre petite somme et juste avant, vous étiez dans une position, ma foi, indélicate. Juste avant, en fait, moi, de mon point de vue, je vous ai pas vu et j'ai couru après la deuxième personne qui était là. Et maintenant que vous confirmez la présence du deuxième individu, le témoignage de mon client n'en est que plus valide. On va courir après cette deuxième personne, monsieur. Bah, pour la rattraper. Bah oui, mais vous n'arriviez pas à entendre et visiblement, vous n'arriviez pas à parler. Bah oui, mais du coup, je vous ai pas vu et j'ai pas entendu. La raison de la course de mon client n'est pas en question ici, puisqu'il explique qu'il ne vous a pas entendu. Tant que... Monsieur, pourquoi vous portez mais des gants? Mais arrête de m'interrompre. Interdit-elle le port de gants chirurgicaux, commandant? Vous êtes arrivé quand en ville, monsieur Sixte? Hier. Ah, du coup, maître, qu'est-ce que vous... Eh bien, le témoignage de mon client, qui n'a pas été démenti par les éléments avancés par le substitut du procureur, indique bien que mon client n'a pas été touché au véhicule. Aucun élément n'existe permettant d'affirmer que mon client a touché la voiture. Il n'a pas été trouvé en possession d'outils qui lui auraient permis cette effraction. Il se baladait dans la rue lorsqu'il a vu cet individu, dont la présence a été confirmée par votre témoignage, visiblement affairé autour d'une voiture stationnée devant l'hôtel. Alors atteint de surdité et d'aphasie soudaine, une condition toute récente pour mon client qui a fait l'expérience d'une première crise depuis son arrivée dans notre île il y a 2 jours, mon client est pris de panique et se lance vers cet individu. La première personne qu'il croise après la disparition de son Louis, pour lui demander de l'aide et s'assurer de la nature de son souci. L'individu prend la fuite, et dans sa confusion, mon client le poursuit. C'est bien ça, monsieur Six? Oui, ben oui. C'est alors que votre unité arrive, sirène hurlante, alertée par l'appel d'un citoyen indiquant une tentative d'effraction sur véhicule, mais mon client ne l'entend pas, et tourne le dos à votre patrouilleuse puisqu'il est lancé à la poursuite de cet individu qui court en fuyant votre unité. Arrivé à la haie, et après avoir vu l'individu sauter par-dessus, mon client se retourne et voit vos unités se rapprocher. Il exécute alors une micro-ceste, qui semble être le seul moyen qu'il ait trouvé de remédier à son handicap temporaire, et se soumet à l'interpellation par vos services. C'est bien comme ça que ça s'est passé, monsieur Six. C'est ça. Par conséquent, mon client plaide innocent sur les 2 charges retenues contre lui. L'effraction pour cause d'impossibilité matérielle et en l'absence d'éléments de preuve, et le refus d'obtempérer sur la base de sa surdité qui l'a empêché d'entendre la sirène et de sa position relative au véhicule de police qui l'a empêché sur une question. Sur une question. Excusez-moi de vous couper, c'est... Oui, bah je commence à m'y habituer. C'est pas du tout un manque de respect, mais c'est vraiment... Ah si, clairement. Et un vice de procédure. Et un outrage à la cour. Comment vous avez un problème de surdité vers qui vous dirigez? Vers un malfrat qui est en train de fracturer une voiture ou vous rendez rapidement à l'hôpital? Mon client était dans un état de confusion du fait d'une crise de situation médicale nouvelle pour lui et a tout simplement pris la première personne venue pour s'assurer de la nature de son problème. Donc vous avez un problème de santé, vous prenez le premier individu que vous croisez afin de faire de poser un diagnostic. En fait, le souci c'est que si je croise personne, je sais pas que je suis sourd. Et chez les médecins, ils seront certainement les plus d'un même diagnostic. C'est ça que je ne comprends pas. Bah en fait, si vous voulez, ça change d'un moment à l'autre. Il y a une heure, j'entendais très bien. Et des moments, sans sieste, j'entends plus. Enfin, commandant, c'est pas la seule situation dans laquelle une personne atteinte d'une affliction d'ordre médical s'en remet à un individu lambda plutôt qu'au service hospitalier. Dans le cas d'une crise cardiaque, par exemple, on n'attend pas, en général, l'arrivée des médecins pour procéder à des gestes de premier secours, voire à l'utilisation d'un défibrillateur. Je vois en aucun souci au fait de se rendre auprès de cette personne pour vérifier qu'il n'est effectivement plus usage de ses oreilles avant d'alerter le personnel hospitalier qui est déjà suffisamment surchargé. Ah, vous comprenez qu'un malaise cardiaque, vous êtes là en train de crier au secours parce que vous pouvez pas vous rendre de vous-même à l'hôpital. Mais d'accord, enfin faisons les choses, hein. Mais j'entends. Mais par contre, effectivement, enfin comprenez quand même que la suspicion est raisonnable, et c'est pas moi d'en trancher, ce sera le président Ringolo. Mais Exactement. D'ailleurs, vous n'êtes pas censé donner votre opinion sur le sujet du tout, en fait. Ça, c'est encore une faute en termes de procédure. Monsieur Six est ici présenté comme témoin, et c'est dans ce cadre qu'il est interrogé par le substitut du procureur. Or, un témoin dans le cadre d'un procès ne peut être interrogé et a interdiction de répondre sur un des enjeux du procès, à savoir une question à laquelle les dossiers de l'accusation et de la défense cherchent à répondre et qui sera déterminée par le verdict du jury. Seul le jury est autorisé à émettre une opinion sur ces enjeux, lors de son verdict. La seule exception est le témoin expert, établi comme expert dans un domaine relatif à l'enquête, qui peut être interrogé et est autorisé à s'exprimer sur un enjeu de l'affaire relatif à son domaine d'expertise. Par exemple, dans le cas présent, si un médecin était interrogé sur le problème de surdité de M. Six, il serait autorisé à répondre quant à l'existence ou non de la surdité de mon client, qui fait partie des enjeux de l'affaire. En revanche, M. Six n'étant pas présenté comme expert de quelques domaines, l'interroger quant à l'interprétation des faits, qui est l'enjeu de l'affaire, et donc la prérogative du jury, en l'occurrence du juge Ngolo, est une violation de procédure.
Je veux bien entendre, monsieur Six, personnellement, que vous ayez eu des problèmes de surdité temporaire. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, comprendre également que de mon côté, le doute est raisonnable. Cet élément conclut pour ma part la question du refus d'obtempérer. Et quant à la tentative d'effraction, j'insiste également sur l'impossibilité matérielle de l'effraction. Aucun outil n'a été trouvé sur mon client qui lui aurait permis de réaliser ce délit. Et je vous invite à noter que mon client n'est pas incroyable en incroyable forme physique, et n'a pas la possibilité physique d'arracher la portière ou de briser la vitre d'un véhicule à main nue. D'autant qu'il n'a été fait mention d'aucun dommage mécanique sur la portière du véhicule qui pourrait nous pousser à imaginer la méthode utilisée par mon client pour cette effraction. Mais on parle d'une... Attendez, maître. Je veux bien que le doute raisonnable soit de mon parti, et je veux bien émettre un doute raisonnable de votre client et partir sur le principe de bonne foi, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, me dire et avoir un plaidoyer qui se base sur la cœur de votre client, le fait qu'on ait retrouvé sur lui, je vais fracturer une voiture, je peux très bien jeter une pierre. Et effectivement, comprenez que nous, on voit un individu... Y a-t-il une pierre trouvée sur zone dehors, dans le centre-ville de Los Angeles de très rural comme ville. C'est très atypique, et surtout contre l'individu. Et je confirme, il affirme que selon moi, nous voit et s'en va en courant. Vous savez beaucoup quand même. Maintenant, moi, sur le refus d'obtempérer, je veux bien. Et là, je vous parle en tant que substitut procureur par délégation, là, et en attendant de substitut. Je veux bien retenir le fait que, oui, peut-être la surdité est ici et là. Alors du coup, moi, ce que je requiers, ce sera monsieur le juge d'en décider, c'est effectivement, on va partir sur un bon gros rappel à la loi. Parce que je veux bien avoir le doute raisonnable, monsieur vient d'arriver en ville, monsieur est peut-être déboussolé, par contre, un rappel à la loi et une grosse sensibilisation de j'ai un problème de santé, je vais chez les médecins et je ne vais pas m'approcher d'un inconnu, surtout si ce dernier est en train d'avoir un comportement suspect auprès de deux véhicules. Il n'y a pas eu un véhicule, mais il y a eu bien deux véhicules qui ont été fracturés. Deux véhicules ? Oui, oui, les témoignages parlent d'un deuxième véhicule sur zone. Bah, effectivement, nous on est assignement sur un véhicule, quand on arrive on en trouve deux. Qu'il la ferme ! S'il pense que le deuxième véhicule a également été fracturé, ça signifie qu'il ne lie pas le propriétaire du deuxième véhicule au deuxième suspect et que son ami est hors de danger. Voilà aussi pourquoi les clients devraient toujours la fermer. Ils ne réfléchissent pas. Bah écoutez, messieurs, par contre, c'est monsieur Six, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc, comme l'a dit monsieur le substitut du procureur, ce sera un simple rappel à la loi. Par contre, moi, j'exige que vous allez voir les médecins pour vous faire ausculter, pour éviter d'avoir ce genre de problème la prochaine fois. On est bien d'accord ? Parce oui, qu'effectivement, oui. il y a quand même un doute par rapport à ce que j'ai pu entendre. Mais par contre, je sais pas où est l'hôpital. Je vous y conduirai et je m'assurerai que vous fassiez bien votre visite médicale. J'en prends la responsabilité devant cette cour. Un homme averti en vaut deux, vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, si vous êtes emmêlé dans une affaire similaire, monsieur Six, je serais beaucoup moins, si c'est moi qui ai ce rôle de substitut, je serais beaucoup moins enclin à la gentillesse et à la pédagogie. Beaucoup plus répressif. Ah oui, je comprends tout à fait. Hein. Bah du coup, nous allons vous accompagner à l'extérieur, à charge. Vous verrez avec votre avocat s'il peut vous indiquer l'hôpital, sinon on essaiera de vous l'indiquer. Et faites-vous, par décision, faites-vous sculpter vite et ramenez-nous ou demandez au médecin de nous fournir un rapport. D'accord. Soit à moi, soit au juge, de toute façon, je ferai le transfert. Ok. Mais appliquez la décision de justice, qu'on vienne pas... On n'est pas à devoir venir vous chercher. Non, pas de soucis, oui. Je vais aller à l'hôpital. Bah, très bien. Je vous remercie, messieurs, eh ben, commandant, parfait. Monsieur le président. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Mann. Je vais vous raccompagner, du coup. Vous êtes véhiculé, monsieur Six ? Non, j'ai pas de véhicule du tout. Là. Très bien, montez dans ma nébula, je vous emmène. Mais... Bon, bah vous en tirez bien, non ? Ah, mais il est là, l'hôpital, ok. Allez, juste devant les flics. Bon, bah... Bien joué ça. Et hier, pareil, quand il y a un équipage de police qui m'a arrêté, j'ai eu un problème de surdité aussi. Ah oui, c'est peut-être une allergie à la police alors. Hein. Et hop, vas-y, voilà. Monsieur Six, j'ai été commis d'office à votre affaire, donc c'est le département de la justice qui paye mes honoraires. D'accord. En revanche, si vous souhaitez me donner un petit pourboire, c'est vous qui voyez. Et quand vous êtes commis d'office, ça va dans les combien ? 700.
En toute transparence, je payais 700 pour votre affaire, 300 en cas de victoire. C'est ce que m'a dit le juge. Bon, puis gardez mon numéro sous la main au cas où vous ayez des soucis par la suite. Hein. Ah oui, je note. Bah, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis pour le moment, parce que moi, je comptais pas voler une voiture. Non, 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 bien pas sûr. Surtout une voiture comme ça. Après, il faut voir que les soucis légaux, c'est pas forcément directement le pénal, c'est pas forcément des crimes. Hein. Ça peut être des problèmes. Voilà, avec l'employeur. Si jamais vous avez votre propre commerce, un client, ou alors ça peut être vous qui êtes victime d'un délit, on sait jamais, un petit racket, un truc comme ça. Et voilà, premier procès pour Maître Mann dans cette ville, et c'est une première victoire. L'abandon des charges et un simple rappel à la loi assorti d'une visite médicale, et le tout sans pousser mon client à vendre son pote. J'avais besoin de cette victoire. Le pro bono, c'est mon territoire, et maintenant que je m'aventurais en eau profonde, avec ses intrigues au sommet de l'État, j'avais besoin de me prendre une petite bouffée de confiance en brillant à nouveau dans mon petit bassin. Tremble, N'Golo. Maître Mann est remonté en selle, et maintenant, le ciel est ma limite.